Voilà. Ben trop YouTube, bonjour YouTube. Salut YouTube, ici Vieille Fury Bastard Studio, vous connaissez la chanson Crash Bandicoot, premier du nom, monde 3, de, partie 2, alinéa 7, paragraphe grand 1-A. c'est parti. On retourne sur le niveau de la mort qui tue. En espérant que ça fasse comme samedi dernier après la pause où le pont est passé quasiment du premier coup. Après 2 heures de try, espérons que ça fasse la même chose ici. Ne soyez pas trop confiants. C'est bien sur mon retour de l'autre ordi. J'ai 30 secondes de décalage. Je suis heureux. Waouh, la première mort! Non, c'est bon, j'ai pas touché au son. J'étais en train de me demander si j'avais touché au son, mais ça va. Non mais sérieusement. Sauter. Oui voilà, sauter c'est ça. Bon bah ça fera pas comme ça nous dernier. J'en peux plus. Mais achevez-moi. Mais empêchez-moi de jouer. Fin... Oh là là. Ah voilà. Tout est ok, il manque que ta victoire sur ce niveau. Ouais. Ça va être le game over sur la deuxième plateforme quoi. C'est pire. Pire que tout à l'heure.
Ok, à partir de là, c'est plus compliqué. J'étais hyper concentré pour passer ce passage-là, je suis désolé, j'ai pas trop parlé. Allez, checkpoint. Il y a le game over qui nous tend les bras. Oh purée, la vie. La vie est là. Non. Oh purée, c'est passé. Je suis presque. C'est tentant, hein. Je sais que je vais me foirer. Oh punaise! Fin de partie. Allez, concentration. C'est juste de la précision ce niveau. Ce n'est que de la précision. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des obstacles. Sur la plateforme, hein, je suis désolé. Hop, 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 hop. L'oiseau était trop haut. Quoique. Non, ça va en fait. Passage qui me pose problème.
Non. Bon, ça va. Ok, on attend que l'ascenseur revienne. C'est une blague ? Punaise. Ah puis c'est pas passé loin. J'ai failli me planter là. Checkpoint, mais checkpoint pour deux vies, quoi. C'est ici qu'il faudrait le checkpoint en fait, juste après là. Ok, checkpoint. Et là ça me pose problème. Pourtant c'est nul, c'est ça. Ok. Je pense que c'est quand ils ont la main un peu ballottante que c'est bon. Genre maintenant. Voilà. Oiseau. Ok, la vie. On attend. Il vaut mieux attendre ici, il vaut mieux attendre. Oiseau. Mais pourquoi ça passe pas? Pourquoi?
Pourquoi ça passe pas? Oiseau, oiseau, la vie. Oiseau, plateforme. Oiseau, plateforme, oui. Non. Et là. Oiseau. Plateforme, oui. Ok. Y'a rien du tout. Et là, c'est oiseau, oiseau. 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 Trois oiseaux. Et deux vies après. Non! Je pensais avoir compris le truc pour tempo, comme ça je me dis bon tant pis, la vie que je récupère, je la perds, je la récupère, je la perds, ça m'évite le game over, au final je me prends quand même le game over. Il y avait trois oiseaux à enchaîner, et après il y avait deux vies à récupérer quoi. Ils me font peur maintenant ces trucs. Étalé comme une crêpe. Hein.
Yes, purée, je pensais pas l'avoir. Maintenant, faut pas que je m'étale. Bordel, checkpoint avec 4 vies, ça m'est jamais arrivé. Ok. Je suis pas sûr que l'invincibilité soit une bonne chose là. J'en étais sûr. L'invincibilité te tue ici. L'invincibilité, elle te tue. Ah, c'est dégueulasse. Je suis allé en plein dedans. J'ai fait n'importe quoi là. On attend, il vaut mieux attendre. Ok. Oui. Pourquoi? Pourquoi ça passe pas? Invincible ou pas? Non, ça va. Je suis un peu deck, j'aurais dû pas sincter tout à l'heure sur l'invincibilité. Faut que je tente la vie là. Faut que je la tente. Voilà. Et maintenant. Voilà, fallait pas que je l'attende en fait.
Non, qu'est-ce que je fais? Et oui, c'est plus une vie. Non, j'y arrive pas. Les trois oiseaux, là, j'y arrive pas. Les trois oiseaux, j'y arrive pas du tout. Faudrait que j'essaie de me repérer au nombre de caisses qu'il pourrait me rester pour savoir où est la fin du niveau, en fait. Parce que s'il faut, c'est juste après les trois oiseaux. Est-ce qu'on peut le savoir combien de caisses? 51 caisses. Donc on va compter. Déjà, là, il y en a 4. Ok, cette villa je peux la récupérer. On va pas le tenter, donc ça fait 10 caisses avec ces deux là, mais là on va pas les tenter du tout. 10, 11, 12. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Ouais. Reviens là. Très très mal parti. Faut attendre. Maintenant. Pas maintenant du tout. Non, je... C'est complètement désynchronisé quoi. Ok, maintenant. 1, 2. Bon, ici c'était 18. Oiseau ascenseur.
C'est honteux, c'est complètement honteux. Ce que je suis en train de faire, c'est n'importe quoi. Ok, 19 avec ça. Y'a rien, on est d'accord, y'a rien ici. Est-ce que les caisses de là-dedans comptent dans le niveau? Je pense pas. Là, on est à l'invincibilité, du coup, on attend. J'ai pas envie de me faire avoir comme tout à l'heure. On va la casser, on va attendre. C'est la fin du niveau. C'est la toute fin du niveau. Bravo le pic là. Qu'est-ce que j'ai fait? Après les trois oiseaux, il y a un mec qui lance des potions. Et après on est bon quoi. Ouais, donc j'arrive vraiment à la fin du niveau. C'est juste que je me foire. Dernière chance.
Alors j'aurais pu y aller, punaise. Ok. Trois oiseaux. Un. Deux. Trois. Pourquoi j'y ai patienté? J'y étais, quoi. C'est le troisième oiseau qui me pose problème. Ah, punaise. Bon. Ça me rassure déjà d'avoir vu que c'était vraiment la fin du niveau. Faut que je fasse plus attention. Et que j'arrive à passer ces trois oiseaux, quoi. Je pense que là c'est un try nul. Mais c'est quoi ce try nul? Sérieux, je vais être game over avant même d'arriver au passage qui me pose problème. Premier passage qui me pose problème, vu qu'il y en a deux. Non mais... Allô ? Allô ? J'arrive plus à rien. J'ai pas passé deux plateformes qui va déjà de nouveau y avoir le game over alors que le try d'avant j'étais sur la fin du niveau. C'est dégueulasse. Et voilà. Bon bah game over. C'est quoi ce try? C'était quoi ça? C'est... Et comment tu veux faire le 100% détruire toutes les caisses sans mourir? Sans mourir. J'en ai marre. Statistiquement, il y a toujours un trail de merde après un bon trail. C'est pas faux. Ouais, je fais n'importe quoi. À croire que je m'handicape moi-même. Ouais. Allez. Allez, vamos. Voilà. Tac. Et j'étais dessus, voilà, je pensais que j'allais me foirer, j'étais dessus, qu'est-ce que je fais, je glisse. Bon, on va le faire ce game over là vite fait. Parce que bon. Voilà. Voilà, ça c'est fait game over. Faisons attention.
je me hais, mais je me hais. Toujours à ce niveau, ouais. Mais il y a eu une pause de 30-40 minutes. Où j'ai fait une pause déjà. Et après on a papoté de tout et de rien avant que je m'y remette. Et ça avait fait du bien parce qu'en vrai je suis arrivé jusqu'à la fin du niveau. Et là de nouveau je me foire sur la toute première partie du niveau quoi. Position tryhard, en mode les deux pieds sur la chaise, le dos va être défoncé, c'est pas grave, j'ai l'habitude, mais là il faut se concentrer. Punaise, non, 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 non. Bon, et game over. On n'en parle plus. L'ascenseur, non, ça va. Ça a avancé? Ça dépend où est-ce que tu t'en étais arrêté. Oh purée! Mais mettez-le moi le game over qu'on reparte sur un try bon quoi. Sérieux, il y a 10 minutes, j'étais sur la fin du niveau, il me manquait un obstacle, quoi.
Plus ou moins les pads. Ouais, je suis revenu avant les pads. Ouais. Et j'arrive plus à remonter. Mais j'y arrive plus du tout. Alors, vous allez vous dire, mais on entend pas de moi. Oui, je sais. Je suis en position, je suis loin du micro. Allez. Où c'est le petit, ouais. Les sauts de jeu demain. Ouais, oui, oui, complètement. Et encore. Et encore. C'est la version remastered. Donc, on a des graphismes plus précis qui nous permettent de mieux voir. La version triangulaire pixelisée de l'époque. Je sais pas comment j'avais fait pour finir le jeu à l'époque. Parce que je le trouve extrêmement dur là. Je me demande comment j'avais fait quoi.
non. Ok. Ça passe. Ouais. Là, c'est les trois derniers oiseaux. Après ça, c'est la fin du jeu. Mais il faut arriver à les passer. Voilà, et là je me mets un temps mort alors que je ne devrais pas. Je le sais, hein. Il faudrait des save states en fait. Mais la Switch le permettra pas. Oh génial, j'ai perdu le masque. Bon. Oh punaise. Alors, ceux et celles qui connaissent ma maladresse légendaire savent que je peux mourir entre la fin du niveau et la marche. Vous le savez. C'est bon. Oh punaise! Oh. Je terminais. Ah non, 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 pas je terminais. Non. Non, 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 pas je terminais. Oh non. Regarde tout ce qui reste. Il reste. Il reste. Comment j'avais fait tout à l'heure? Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niveaux encore. Hein. Tu as dit la fin du jeu après les 3 oiseaux. Non, non, j'ai dit la fin du niveau. Ou alors je me suis trompé dans ce que j'ai dit. Mais c'était la fin du niveau, pas la fin du jeu. Pardon. Non, non, non. Allez, la suite. Lights Out, génial. Un jeu, un niveau dans le noir. Ah, je suis ravi. J'ai failli tomber. Mon masque est lumineux. C'est quoi ce niveau ? D'accord.
Oh punaise, une plateforme qui bouge. Dis-moi que t'es encore la lumière. Oh punaise, c'était un long trajet. Oh flûte. Le timer dans ma tête était pas bon. Dernière vie? Non. Génial. Et je fais comment moi maintenant? Allez au pif. Voilà. J'ai pas le temps de la voir celle-là en fait. J'ai vraiment pas le temps. Oh punaise. Ça se joue à 1/10 de seconde. Faut y aller, faut foncer direct en fait. Ouais c'est ça, faut foncer direct. Et là maintenant j'ai laissé passer le truc. Je le vois plus. Ok. Génial, et maintenant il y a une invasion de rats. Je vois plus rien, voilà. On est obligé de garder le masque si on veut y voir quelque chose. Dommage ça. Sérieux, j'ai pas besoin de sauter si loin. Et là, je vois plus rien. Oh, il y avait un trou. Punaise. Et voilà, plus rien non plus. YOLO. Oh. Ça a fonctionné. Oh mais purée, mais c'est quoi ce donjon là? Raté. Faut tout recommencer. Ah non, c'est le game over. Ah non, pas encore. Les rats? Pas encore. Oh, j'ai eu du cul là. Pardon, excusez-moi pour le mot.
Non. Oui. On attend. Et voilà, et là de nouveau, je sais pas où aller. Il y a une hache. Il y a deux haches. Il y a... Oh, il y avait un trou aussi. Il y avait deux haches et un trou. Ah ! Bon, déjà, ce niveau, je le trouve quand même plus intéressant que le niveau d'avant. Est-ce que c'est parce que je le gère mieux ? Peut-être. C'est le chef. Et là, j'ai patienté, j'aurais pas dû. Pareil. Là, les deux, faut foncer, quoi. Alors, foncer, oui, mais en faisant doucement, peut-être. Mais non, là, il était bon le timer. Attention, game over. Checkpoint, s'il vous plaît, peut-être. Ouais, enfin, checkpoint, non, il y a game over. Oh, flûte! Oh, il me l'a redonné. Checkpoint! Là, on attend. Game over. Ah punaise, c'est pas passé loin. Non! Il y a un truc qui m'est tombé dessus, punaise. La panique. D'accord.
Voilà, 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 voilà. Le game over. Bon ben voilà, le game over, il est là. Il est ici. On l'attendait. Il est ici. Et voilà, il est rare. Ça pardonne pas. J'enchaîne encore là en fait. Faut pas que je m'arrête de prendre les wompats. Faut que j'enchaîne. Punaise. Oh, fiche. Ah oui, d'accord. Pas si simple, pas si simple, mais quand même plus agréable que niveau précédent.
Non, j'aurais dû y aller directement. Bordel. À moins que je passe sur le côté. Il y a eu un niveau comme ça où j'ai pu passer sur le côté. Lol, ça fonctionne. Qu'il est parti. Fin de partie. Je passe quand même, je crois, deux ou trois checkpoints. Donc, quand même. Mais il y a combien de caisses dans le niveau? 15 seulement? Et d'une. Là, je me plante. Et voilà, et maintenant comment je fais? J'ai fait non. Ah, tout ça parce que je me suis fait toucher par un rat et après au pif ça a fonctionné jusqu'à presque à la fin quoi. Bon là ça tombe. Ah les boules. Fin de partie.
Là, je sais plus. Voilà, on était sûr. Non, les rats, poussez-vous les rats, poussez-vous les rats. 1, 2, 3, sautez. 1, 2, 3, sautez. 1, 2, 3, sautez. 1, 2, 3, sautez. Oh bordel. Fin du niveau. Terminer le jeu à l'aveugle. Le niveau à l'aveugle. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en reste 6. Les violets, c'est du DLC. Il en reste 6. Bon, alors, c'est quoi ce... Ah, tiens, le retour. Il m'avait manqué eux. Faut rester dessus après, d'accord. Mais arrête, arrête de foncer dans le tas, mais quel, je suis imbécile. Je suis imbécile. Fin de partie. Oh punaise. Dommage. Oh.
Ok. Bon, là, il y a un serpent. Du feu, un truc qui casse. Et après, du fixe. Feu, truc qui casse. Fixe. Vie. Bien sûr, je la prends la vie. C'est quoi qui m'a touché? C'est un trou, ça, c'est quoi? Non. Par contre, il y a des chauves-souris. Ok. La caméra qui change de vue sans prévenir, c'était agréable. Oh, punaise. Mais il n'y a pas de perspective aussi, quoi. Ok, c'est les chauves-souris qui m'ont fait mal tout à l'heure. C'est quoi ça? C'est un ascenseur? Obligé de rebondir sur l'araignée, sérieux. Le truc qui casse. Ok, et après, il faut aller où? À gauche? D'accord. Ok, il faut rebondir sur l'araignée et après. Sérieusement, le jeu, mais c'est... Oh là là, mais quelle horreur, quoi. Salut Ando. T'as raté un truc, Ando, cet après-midi. C'était magnifique. Mais je déconne pas. Hop là, il y avait de nouveau un niveau du pont, celui qui m'a embêté la semaine dernière. Je l'ai passé easy, mais easy. Et pourtant, il était plus difficile. J'ai trouvé une technique, c'est magistral. Donc je te conseille de... Quand tu pourras, tu regarderas la VOD et le temps fort Twitch. C'était génial. Hop là. Sauter. Ok.
Donc faut bien rebondir sur l'araignée sans se planter. Au bon moment. Donc ça se joue vraiment à la frame près quoi. Je pense une série trilogie. Attends que tu tombes en promo alors. Il va y avoir les soldes cet été. Ah, flûte! En juillet, par contre, quelqu'un pas loin de moi a prévu de l'offrir pour notre ami. Ah! Punaise! Je l'ai passé nickel tout à l'heure. Au même endroit, exactement au même endroit. Le petit game over. Ah, j'ai encore du temps. Checkpoint après. Checkpoint qui va me servir à rien vu que c'est le game over en suivant. J'avais pas besoin de sauter.
Ça fait pas loin de 6 heures que t'es dessus, non? Il est loin le monde 3? Je suis à un peu plus de la moitié du monde 3 et j'ai commencé à 13h40, 13h50, j'ai traîné la patte. Et j'ai fait une grosse pause de 40 minutes facile de toute façon. Donc t'enlèves bien 2h, 2h30 depuis le début. Depuis midi, quoi. Depuis que j'ai commencé à la bourre. Pas sauter. Une caisse dans ce niveau. 112 caisses. Hop, il y a 112 caisses. J'espère que les caisses de niveau bonus comptent là-dedans parce que sinon je sais pas. J'ai pas croisé 100 caisses, ça c'est clair. Oui, le compte dedans. Okay. C'est évident là que j'allais me foirer. Là non, par contre, c'était pas évident.
Raté. J'ai pas sauté. Fin de partie. Oh punaise, mais j'apprenne à viser. Je l'ai vu le checkpoint. Pardon. Thank you.
Là, j'ai réussi à tempo. Là, on attend. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi il y a des pommes à gauche? Pourquoi il y a des pommes à gauche? Il y a une plateforme à gauche. J'y vais pas, c'est mort. Il y avait peut-être un pont invisible, mais... J'y vais pas. Alors attendez, il y a quoi? Du feu, une plateforme qui bouge, et après je sais pas. Feu. C'est la fin du niveau, mais il y a moyen de récupérer des vies. Et je pense que c'est nécessaire. Si je me plante, c'est le game over, je crois. J'ai été touché, punaise. C'est pas grave. Ouais, c'est ça. Si je me plante, c'est game over. J'ai strictement nécessaire des besoins de vie. Et en plus, il y a des murs qui écrasent. J'ai pas vraiment envie de recommencer tout le niveau. Du coup, il va falloir se taper le niveau bonus. Okay.
Voilà. 4 vies, ça devrait le faire quand même. Pour terminer le niveau, on est à la fin. Il y a un trou, c'est ça? Je suis pas sûr. C'est dégueulasse. J'ai bien fait de récupérer les vies. Ah, fin du niveau. Vu que j'ai raté, il y avait plus de 100 boîtes, j'en ai raté beaucoup. On a le temps, hein. Pauvre Crash Bandicoot. 65 boîtes. Je suis désolé, mon pauvre. Il reste 1, 2, 3, 4, 5 niveaux. Ça va être compliqué de terminer aujourd'hui. Et ça, c'est pas un boss. 5 niveaux. Bon, on voit comment ça se passe, mais je pense que je ne dépasserai pas 20 heures par contre. Bah, la fin du niveau, elle est là. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce piège? Il y a des plateformes à gauche. Voilà, c'était ça le piège. Il va falloir remonter tout ça. Le retour des tuyaux qui brûlent, je suppose. Aidez ça. Oh, la sortie, elle est sur la droite, dis donc. Bah, tu parles. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose, par contre. Je suis sûr qu'il y a moyen de la passer. D'accord, faut vraiment pas se faire toucher par cette fille. Il y a moyen, je pense. Hein. Ah. Bon, ok. Vraiment niveau 2D et demi. Hein. Caisses.
J'ai pas avancé assez vite. Fin de partie. Allez. Ok, checkpoint. Hop, 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 hop. Ok. Ah, la vie, le masque, la vapeur, on fait gaffe. Oui, il y a de la vapeur sur ça aussi. Tac, tac. Vapeur. Oh punaise, en 3. Maintenant. Voilà. Ok. Oh. Ok. Un rebond. Rien d'intéressant. Vapeur, pas vapeur. Non, pas vapeur. Qui est sur la droite. C'est n'importe quoi ce niveau. Ne pas prendre le trampoline. Ah. Il y a un piège quelque part. Non, pas forcément. Ok. On va attendre que lui sorte, sinon il sort pas. J'ai vu passer un ascenseur là. Checkpoint.
ce piège. Vous avez vu les vies en bas? Sérieux, faut aller les chercher quoi. Je pense que j'ai raté 10 caisses facile, doit pas être de la, loin de la fin, enfin, du moins j'espère. Ah, il y a deux trucs là, c'est lequel? Ah, il va falloir alterner. Ok, faut alterner, d'accord. Ah merde, pardon. Ok, c'est bon. J'ai failli ne pas prendre l'ascenseur et continuer en bas. On va en haut, on saute, on saute. Il va peut-être falloir que je récupère les vides en bas en fait. Hein. Ce serait bien, ouais. Ah, punaise. Ouais, bon, on va pas les récupérer. Hein. Non, ça c'est dégueulasse. Game over. Fin de partie. Oui, bien sûr. Je dois pas être loin. Hein. Attendez. Allez, on reprend. Je pense que j'étais vraiment pas loin de la fin en plus. Là, faut pas se planter.
la vapeur. Trois vapeurs, non, deux vapeurs. Oh, allez, checkpoint. Si on pouvait. Hein. Il y en a un qu'il faut pas prendre. C'est pas lui, c'est après, je crois. Là, on se fait plaisir. Voilà. Là, il faut tomber. Là, celui-là, on le prend pas. Là, il faut tout ramasser. On récupère une vie, ça, ça fait plaisir. Il en tue, lui aussi. Checkpoint. On revient là où on était. Les vies, on attend, on passe, hop, on saute, ascenseur, on passe, c'est pas... Oh mince, j'ai pas le masque, bordel, je voulais prendre un coup et au final non. Pas le masque, c'est vrai. Rester sur le premier jusqu'à passer. Ok, là j'ai le masque. Pas que je me plante. Pardon ? On saute. On en profite. La frame. Masque doré? Non. Bon. Vaut mieux l'avoir, celle-là. On sait jamais. On saute. Oh punaise, j'ai réussi. Il y a de la vapeur après. Dis-moi que c'est fini après, s'il te plaît. Non ! Oh punaise, c'est la fin ! This is the end, comme disait... comment elle s'appelle ? Adèle.
Yes. Fin du niveau. Bon, j'ai pu faire un niveau en plus. C'est déjà ça. Merci. Il reste 1, 2, 3 niveaux. Plus les violets. Les violets, je crois que c'est les DLC. Et là, on est sur un boss. Hein. Il reste un boss, 2 niveaux et je suppose le boss final. Qu'est-ce qu'ils disent dans la soluce ? Il reste... Comment il s'appelle ? Nitrus Brio. Nitrus Brio. The Lab. Néocortex. Pourquoi il y a un truc rouge encore ? Il y a un niveau après ? Là, dans la soluce, il y a marqué 3 niveaux. Pourquoi est-ce qu'il y en a 4 ? Pourquoi il y a 4 points rouges ? Parce que là où je suis, il faut ça et ça compte. Ou alors il y a 2 fois Cortex. Je lis hein, ce qu'on me dit dans la soluce. Oh purée, le dernier niveau, le 24, il va être chiant. Le boss suivant, là, le boss qui arrive a l'air ça va, je pense. Oh punaise, j'hésite. Deux boss, un niveau. Il est 20h. Est-ce qu'en une heure, j'ai le temps de tout faire? J'ai le temps de tout faire. Je vais peut-être juste celui-là pour prendre la temps. Là, c'est un boss. On va voir. Ok, il y a des pics sur les côtés, faut faire gaffe. Où ah, je suis mort. Ok, d'accord. C'est vrai que j'ai pas de masque. Pour l'instant, ça... Ouais.
Oh punaise, 3. Ok, 3. Il n'a pas l'air dur. Ouais. Je sais pas si je peux le taper. Non, ça fonctionne pas. Si je m'approche de lui, ça va pas. 1, 2, 3. Un masque, s'il vous plaît. Un masque. Un masque est demandé. C'est gratuit, ça. Fin de partie. J'ai pas bougé, hein. Ah, le masque. Qu'est-ce qu'il fait? Il va. Ok. Mauvaise idée. Raté. Ok. Ok. Bon ben un boss en moins. Hein. Il y a bien des points rouges. Bon, on essaye. On va voir comment ça se passe.
Oh punaise. Pardon, j'avais pas vu la TNT. Ça m'a choqué. Mauvaise idée. Punaise. Je savais quoi. La petite vie qui fait du bien. C'est pas une ombre, c'est un fichu trou. Allez, on va trouver des vies. 12 caisses.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il me manque deux caisses. Pourquoi il me manque deux caisses? Je les ai pas vues. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même récupérer une vie. Il y a un passage en bas ou c'est moi? Sûrement planqué plus haut. Ouais. Il y a un passage en bas, non? Il n'y a pas de passage en bas, pardon. Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est pas legit, mais bon. Oh punaise. Oh non! Mais je vois un mec en blanc, je me suis dit que c'est le même que tout à l'heure et tu parles quoi. Hop là. Allez, le petit blob. Salut. Ça passe. La fiole, lui il dégage, checkpoint, je me sert à rien vu que j'ai plus de vie, mais c'est pas grave, il y a quoi derrière? Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est? Sauter, non, pas sauter! Alors attendez, il y a le trou, les bobines Tesla, le mec et les, qui est ok. On passe pas, ok. Comment je l'ai lui? Comment je passe là avec lui? Comment je passe? Parce que tout à l'heure j'ai pu sauter tranquillement, j'ai bien compris comment passer, mais alors lui là, hop hop hop. En fait, là, ce qu'il me faut, c'est un masque. Sauter, ça passe pas. Tourbillon, ça passe pas. Comment je passe?
Comment je passe sur lui? J'étais sur la fin en plus. Bon alors ici, 12 caisses. Déjà là il y en a 5. Oh punaise, d'accord. Non. Je ne sais pas. Non! J'ai réussi à la faire reculer. Salut la mort nulle. Ok, checkpoint. Je fais reculer, je passe sur le côté. J'ai pas à sauter. Je n'ai pas à sauter. Je n'ai pas besoin de sauter. Je n'ai pas besoin de sauter. C'est tourbillon. Et après, je saute. Mais d'abord, tourbillon.
va chercher la vie. Y'a un trou ou pas? Non. Comment j'ai fait pour le faire reculer? Comment j'ai fait pour le faire reculer? Comment j'ai fait, bordel? C'est pas legit, mais ça passe. J'arrive pas à savoir où sont placés les tests là. Ok, après. Oh punaise! Ok. Ah, mais ça repop en boucle! Ok, là ça craint. Evie! À chaque point, s'il vous plaît. Non! Non! J'avais pas compris que c'était le truc de la porte, punaise. Oh, les boules! Passé? Oh. Venez. Timer, le timer. Je suis trop pressé là.
pas de contrôle sur le sol. J'ai pas de contrôle sur le sol. Non, c'est pas bon. Est-ce que je peux aller sur le côté? Il y avait un trou. Et en plus, il y a un trou! Ok, de toute manière ça sert qu'à la porte. Ok. The Great Hall. Donc il y a bien un niveau supplémentaire avant le boss. Ouais, je l'ai pas sur la soluce ce niveau là. C'est pas un niveau, punaise, on s'en fout. Allez, go boss. Néocortex, me voilà. J'espère que tu seras gentil avec moi. Certaines boules d'énergie peuvent lui être envoyées, d'accord. Bonjour. Oh punaise, les bleus restent à l'écran. Pourquoi il a mis le feu à son île? C'est pas moi qui ai mis le feu, c'est toi. Par contre, il va falloir... Oh là là, mais ça... Ça va être horrible. Je n'en ai même pas renvoyé une. Une, deux.
J'ai sauté, j'aurais pas dû. J'espère que ça se complique pas avec les phases parce que. Soit maudit, Crash Bandicoot, on est au point de la rengaine. Je peux avoir un masque, s'il vous plaît? Technique. Vous devez éviter les boules d'énergie bleue et violette et renvoyer les vertes. C'est tout? Ah bah ça va m'aider. Donc il n'y a pas de technique précise quoi. Que les vertes. Ok. Ah merci. Sois maudit et crache dans les coudes. Oh, je peux rebondir sur les bleus? Ah non, non, c'est pas je peux rebondir, c'est que le masque il s'est pété. Le masque s'est pété. Pourquoi j'ai esquivé la verte? Masque pété. Là j'ai perdu le masque, je trouve ça dégueulasse. Pour moi il n'était pas à perdre.
Voilà, ça commence bien. Non! Maintenant elles font des vagues! Ok. Masque doré. J'arrive quand même à perdre le masque, un masque sur la phase 1. Ça allait lui enlever le troisième point de vie. Désolé pour la phrase qui va rester dans la tête. Ne vous en faites pas, allez partager. Pourquoi? Il faut pas que je prenne le premier dégât, il faut pas. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je le prends quand même. Premier vert, faut pas. Point de décor, le château derrière me fait penser au château du boss final dans Medieval, pour ceux qui avaient suivi ça. Il y a un an et demi. Vraiment, on dirait exactement le même décor. Donc, je discute et je fais n'importe quoi. Voilà, les premiers dégâts partis. Moi, enfin, premier point de vie de ma part. Je lui enlève le troisième, je lui enlève. Hein. Bon,
Non. Il a une tête d'Edouard Philippe, quand même, excusez-moi. Pourquoi je me fais toucher là? J'ai pas à me faire toucher, je me fais toucher. C'est fini? C'est fini? Il n'y a pas une autre phase, c'est une cinématique. Oh punaise! Enfin! Oh! Je fais pas les DLC. Si la question se pose, je ne fais pas le DLC, non. Je m'arrête là. Oh punaise. Bon, ben c'était Crash Bandicoot 1. Après des heures de labeur. De tryhard, d'échecs et tout. S'il y a quelqu'un qui fait un best-of de ça, mais on le publie, allez-y, faites-vous plaisir. Tellement il y a du fail, quoi. Bon, bah au moins, sûr et certain, il n'y aura pas de Crash Bandicoot la semaine prochaine. Au moins, ça c'est clair. Ça me rassure. Vraiment, ça me rassure. Il y a, au final, en vrai, sur tout le jeu, il y a peut-être 4 niveaux qui m'ont posé problème. Le pont, un niveau aujourd'hui de plateforme d'escalade, un niveau de plateforme classique samedi dernier, et après le reste ça allait à peu près, j'ai mis pas mal de temps, mais ça allait à peu près, mais il y a vraiment 3 niveaux particuliers. Mais le pont d'aujourd'hui par contre, il est passé, mais la technique de l'amour et de la mort, mais la technique en mode je me fiche complètement du niveau, je passe à côté. C'est exactement ce qui s'est passé. Et ça a fonctionné. Donc voilà. Bon, j'étais ravi de vous présenter ça. Je voulais le faire. Parce que c'est un jeu que j'avais fait à la base quand j'étais gamin. Donc ça remonte. Ça remonte. Époque PlayStation 1. Je sais que je l'avais terminé à l'époque. Mais je ne me souvenais pas qu'il était aussi difficile. Comment j'ai fait du coup étant gamin pour le terminer? Je ne sais pas. Donc voilà. Bon, c'était chouette.
je laisse les crédits défiler en attendant le blabla habituel. Hein. Soutenez Iva Sound Studio sur la campagne de crowdfunding en cours. Il reste 15 jours, 2 semaines, ça va être très court. Il faut absolument qu'on réussisse. Donc parlez autour de vous de cette campagne. Motivez vos proches, vos amis. Parlez-leur de l'assaut, des valeurs, etc. C'est hyper important. C'est le bouche à oreille qui fait que ça fonctionnera. Donc allez-y. Pensez à rejoindre bien sûr le Discord. Hein. On le dit tout le temps, mais c'est là où quand même on est le plus actif, hors Twitch. Donc même on peut blablater avec vous, soit à l'écrit, mais même à l'oral. Suivez sur les réseaux, bien sûr, hein, Twitter, Facebook, Instagram. YouTube, abonnez-vous aux deux chaînes YouTube, là où il y a les VOD Gaming, mais aussi Iva Sound Studio, Radio et IRL, parce que c'est là où on poste les podcasts des autres productions et de ce qu'on peut faire hors jeux vidéo. Donc c'est là où vous pouvez retrouver un peu de lecture, du code de la route, du paint dessiné sur paint. Mais pas que, semaine prochaine, il va y avoir quelque chose de nouveau. Tu as le timecode du pont ? Absolument pas. Va falloir remonter dans le temps. Mais je le cherche après tout à l'heure de toute façon. Donc voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. C'était agréable. Semaine prochaine, on se retrouve lundi. Je sais pas à quelle heure encore. Donc c'est pour ça, suivez les réseaux. C'est là où les plannings seront postés et vous serez au courant. Suivez sur Twitch, comme ça vous aurez peut-être la petite notification. Abonnez-vous si ça vous chante. Et semaine prochaine, qu'est-ce que je peux vous garantir semaine prochaine ? Du Mysterium en solo, parce qu'il fallait que je le fasse. Mardi va à Sound, bien sûr. Le rendez-vous des mardis soirs. On sera sur un petit jeu ensemble. Et après, je ne sais plus. Et vu que je ne veux pas dire de bêtises, je ne vais pas vous spoiler pour rien. Voilà. Donc rejoignez... tous les réseaux, vous avez le temps. Enfin, le temps. Non, faites-le maintenant. Est-ce qu'il y a du code de la route la semaine prochaine ? Peut-être. Très probablement, oui. Très probablement. Je pense que oui. Et après, je voulais faire quoi d'autre ? Je peux ouvrir... J'ai un document ouvert. Peut-être que... Non, il n'est pas ouvert. Je vais l'ouvrir. On va voir ça. Je sais plus ce que je voulais vous proposer la semaine prochaine. Alors c'est un... Si, il y a un jeu que je vais faire la semaine prochaine. Ça s'appelle The Sexy Brutal. C'est aucun rapport avec le fétiche BDSM, je vous le rassure tout de suite. C'est un jeu d'enquête, d'énigmes, de réflexion. C'est un mélange de Cluedo, de Mysterium, mais vraiment dans un jeu... on est dans un manoir, on incarne vraiment un personnage dans un manoir. L'idée, c'est de ne pas se faire surprendre par les gens, mais d'enquêter... très discrètement, et si on se fait surprendre, on remonte dans le temps et de trouver plein d'indices pour savoir ce qui s'est passé exactement. Et voilà, ça s'appelle The Sexy Brutal. Normalement, en 2 streams, ça devrait être fait, peut-être 3, on va voir. Mais je vous réserve ça et d'autres choses, mais pour l'instant, je ne préfère pas en parler tant que c'est pas acté à 100%. C'est acté à 86%, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Bon, comme tous les jeux Activision et Toys for Bob, hein, comme Spyro, les génériques durent 10 minutes. Mais pour rendre hommage à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la conception du jeu, bah, je laisse les crédits. C'était ardu hein, quand même, hein, de Crash Bandicoot. C'était vraiment ardu, hein. À côté de ça, Spyro, c'était easy. C'était vraiment... Ouais, à côté de ça, Spyro est vraiment easy.
Après, Crash, c'est un jeu 2,5D. J'aurais tendance à dire 2D, mais là, on était vraiment dans la 2,5, hein, vu comment les niveaux étaient faits. Spyro est vraiment un jeu 3D. Bon, pensez à prendre soin de vous, bien sûr. Vous rafraîchir, vous hydrater et manger, surtout. C'est important. Même en période d'été de chaleur, il faut manger. Il y avait autant d'acteurs, de voix d'acteurs. Pourtant, il n'y a pas tant de personnages que ça. Allez, on passe à tout le staff Activision, bien sûr. Buvez du café, mais pas trop. Bah, comme pour le thé, buvez du thé, mais pas trop. Mangez du chocolat, mais pas trop. C'est comme pour tout, hein, de toute façon. Ah là là. Buvez de l'eau, mais pas trop. Mais buvez-en assez quand même, par contre. L'eau, c'est déjà plus important. Et comme disait... Jean-Claude Van Damme, je crois. L'eau, c'est la vie. Et bientôt, il n'y en aura plus. Il va falloir faire attention à ça aussi. Punaise, j'ai fini Crash Bandicoot, j'en reviens pas. J'étais pas parti pour le finir. Je m'étais fixé l'objectif de finir en début d'après, mais bien sûr. Mais j'étais pas dans ma tête au fur et à mesure de la journée. Je me suis dit, en fait, ça va être compliqué. Mais ça va, ça s'est bien passé. Et si j'avais commencé le stream à l'heure. Bah, j'aurais fini à 18h, pour enlever une heure, 19h, ah, il est 20h. J'aurais fini à 19h30, ouais, vu que j'ai commencé une heure et demie en retard. Oh mon dieu, ils ont mis le temps de niveau des développeurs. En combien de temps ils l'ont terminé, sérieusement? C'est pas bête, mais ça fait des crédits en plus. Mais j'aurais jamais pu le terminer en comme ça, quoi. Vous avez vu les temps? Moi, j'ai jamais mis ces temps-là. Impossible à faire ces temps-là. Impossible. No bandicoots were harmed in the creation of this game. Aucun bandicoot n'a été blessé durant ce jeu. Et le petit sticker. La sauvegarde. Et voilà. Allez, on revient au menu. J'ai fait 63% du jeu. Alors, le 100% ne sera jamais fait. Mais j'ai terminé l'histoire. Et c'était l'objectif, terminer l'histoire. Et je m'arrête là. Tant pis pour les DLC. Je veux pas en entendre parler pour le moment. Allez, sur ce, passez une agréable fin de soirée, un agréable début de soirée, une agréable fin d'après-midi, et je vous retrouve lundi, je sais pas à quelle heure, suivez les réseaux, abonnez-vous partout, je compte sur vous, soutenez la campagne du crowdfunding, c'est extrêmement important. Voilà, tout simplement. Et oui, tout simplement. Le mot de la fin? Cordialement, bisous.